Force patriotique pour respect constitution en faux parc à mouvement grand belet tiré flèche sans garder sous tête parti famille Lavalas là et puis mettez de yon en conférence de presse journée vendredi a yon calendrier manifestation k'ap gen pour fête pour relancer mobilisation nan objectif pour joindre démission président Michel Martelly ak premier ministre Laurent Lamotte. Activité yo a commencé mercredi 1er janvier 2014. Deux organisations yo annoncé yon surprise pour jour ça sans yo pa bay détail. Yo prévoit tout al planter piquette yo devant parlement le 13 deuxième lundi janvier ya dans occasion rentrée parlementaire. Jour ça président République la Jean Constitution en Mandela doit al exposer situation générale pays ya devant deux chambres co-législatives là pendant chef gouvernement a présenté bilan action équipe li ya. De l'autre date qui dans calendrier mobilisation faux parc là c'est 26 janvier à 7 février faux parc à grand belè voyer jeté yon l'autre côté toute l'idée pour ta chita négocier avec gouvernement Martelly Lamotte là dans sens ça yo dénoncé comité exécutif famille Lavalas là avec coordonnatrice Patti Aristide là docteur Marise Narcisse yo déclaré qu'il t'a dans confiolo avec gouvernement et puis ambassade américaine pour casser mobilisation yon après l'autre Ronnie Timothée pour faux parc ak Douli Dominique pour grand belè dans micro Rodrigue Lalanne ak Jean-Joseph Nolo nous constater mobilisation te prend coup c'est par rapport eh bien avec un série de monde qui fait partie de l'opposition eh bien kalchita avec pouvoir ou bien kalchita avec un série de religion on pas contre religion pour la paix ou bien religion pour la guerre en bas côté yo on pas contre ça yo discuter nous pas contre ça yo négocier qui donc nous t'est obligé font camper pour nous garder qui ça quoi régler. Mais nous constatons tout, eh bien, famille Lavalas joue un gros rôle dans le cas de mobilisation. Plus précisément, comité exécutif de facto, qui est en tête de Marise Narcisse. L'un qu'on vient d'apprendre, c'est Marise Narcisse, eh bien, qui mettait directeur général ministère planification. Et nous connaissons encore Marise Narcisse, qui a une bonne relation avec Sophia Martelly. Et nous connaissons un chèque imbattable pour casser mobilisation. Mais nous venons d'apprendre tout, eh bien, Pamela White a joué un gros rôle avec famille Lavalas ou encore Marise Narcisse. Nan ba yo gros pression nan ofri yo l'autre avantage pou yo capable casser mobilisation ki donc nous di a peuple haïtien c'est vrai nous c'est membre famille Lavalas c'est vrai nous c'est petit président Aristide mais nan route Marise Narcisse avec comité exécutif famille Lavalas a vle mener nous même nous pa pral la donne parce que c'est route négociation avec monsieur Martelly c'est route pour quitter monsieur Martelly fait 5 ans sous misère sous grand goût sous chômage sous insécurité sous la vie chère sous révocation sous arrestation à détention préventive prolongée d'ailleurs nous ouais après notre Marise Narcisse qui quantité militant Lavalas qui quantité militante dans l'opposition, il a arrêté quelle était dans cité soleil sous belet ou bien différent de l'autre côté. Et mais pour toute raison ça nous même nous dit mobilisation relancée avec calendrier ça qui gagne la donne 1er janvier côté nous gon surprise pour tout peuple haïtien qui gagne encore 13 deuxième lundi janvier 2014 nous casser rendez-vous avec tout le monde devant parlement côté nous lancer opération coucou rouge nous pral font face pour face avec monsieur Martelly et troisièmement date noté annoncé 26 et janvier pral gagne élection nous même nous dit nous pas élection avec monsieur Martelly c'est manifestation la pied et 7 février c'est pral dernier fermeture et bien et calendrier ça après ça nous même pour planifier pour l'autre calendrier pour joindre bout monsieur Martelly avec Laurent Gagot d'ailleurs nous dit clair année 2014 là faut que nous débarrasser nous avec pouvoir sans guider ça gen chita k fèt faut pas au courant gen négociation qui fait nous même nous pas au courant d'ailleurs nous même nous là en tant que petit monde dans quartier populaire yo k'ap travers son crise grand goût crise révocation qui extrêmement grave nous pas vinn pour nous faire confrontation avec yo nous seulement vinn di yo comme ça chita parler a faire en bas yo nous même nous au courant yo et ça pas casser mobilisation nous pas aucun dialogue moun k'ap parler de dialogue yo pas même vinn chita kelte avec faux pas kelte avec mouvement grand belè kelte avec molégaf kelte avec tout le monde qui fait partie des secteurs démocratiques, pour nous-mêmes, dans l'organisation de base, nous ne sommes pas dans dialogue, nous ne sommes pas dans entente, nous ne sommes pas négociation avec M. Martelly. Si nous négociation, c'est pour nous connaître qui côté a mené M. Martelly. Si c'est Jamaïque, si c'est en Espagne, ou bien si c'est aux États-Unis, comme il y a double ou bien triple nationalité. Jusqu'à présent, nous avons un paquet de monde dans la RIA qui parle à l'école pendant que le président Martelly a dit que il voyait presque 2 millions de monde dans l'école. Nous essayons de pouvoir. Démagogue, c'est un pouvoir lobbying qui pas camper sous rien. Nous même dans sens ça nous dit, nous même dans grand belè nous faisons un sel ak faux pack, on sel ak molégraf ak toute l'autre organisation freine accès nous yo. Dans jour k'ap vini yo là pour nous faire un sel chaîne solidarité pour nous retourner encore Kaipetion parce que sel logique et sel optique pour nous camper derrière pour nous déraciner. Pouvoir Martelly Gagot ça c'est pour nous toujours al Kaipetion et faut nous retourner là ambassade et n'a dit ak directeur police là autrefois peuple la bral ambassade yo té bloqué l'autre jour n'a monté Pétionville yo pas quitté nous entrer
Nous souhaitons que le directeur de police prenne responsabilité parce que la police là c'est pour accompagner nous jusqu'au bout.